Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Snap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lena Situation commente la plateforme Twitch et nous partage ses streamers favoris. De plus, elle nous fait quelques confidences sur son papa. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Alors moi, je suis devenue une Twitch girl, les gars. Je suis tout le temps sur Twitch, j'adore. Je fais pas de Twitch parce que moi, j'ai rien à faire. Mais j'adore, regardez. Sofiane, c'est mon fav. Lui aussi, je l'aime bien. Et j'adore, c'est genre une vidéo YouTube mais en live. Donc c'est une connerie, bah, tu le vois en live. Alors qu'il faudrait... T'as deux entrées, deux sorties alors qu'il faudrait juste deux entrées. C'est juste un problème, mais on va le régler, je comprends. Ce soir c'est tout Twitch, là je suis en plein Twitchage. Je regarde un mec qui s'appelle Stardosh, je ne connaissais pas. Il est en train de jouer un jeu, je comprends rien. Il y a un petit bonhomme qui fait la lumière et qui saute. Il a pas l'air très en forme Stardosh, parce que ça fait longtemps qu'il fait ça, mais en tout cas c'est divertissant, voilà. Je suis sur la chaîne de Solary Fortnite, première fois que je regarde encore une fois. Je n'aime pas car c'est la guerre. Je reviendrai pour le prochain live si c'est des Sims ou Nintendogs ou ma bimbo. Mais là, j'aime pas la guerre, c'est trop violent. J'aime pas. Je n'aime pas, désolé. Là, je regarde le stream. Il y a 11 000 personnes, c'est un peu les big boss. J'avais déjà vu leur bureau chez Webedia, c'est très sympa. Et c'est mon live que j'aime bien pour l'instant, c'est très funky. On dirait des copains qui parlent déjà, j'adore. Je suis au café avec des potes. Je sais pas quoi ils parlent, mais ça a l'air fun. Et c'est à moi. Sofiane avec un invité, Théo Bernard, Shelty et Step the Fries. Moi j'aime bien l'animateur, très mimes, si je peux me permettre. 10 sur 10. Mais déjà, c'est quoi le truc en bas à droite là? Vous savez, mon papa il adore dessiner, il fait souvent des petits dessins, etc. Et depuis le début du confinement, tous les soirs il m'envoie un dessin. Je vais les partager avec vous. Jugez pas la qualité parce qu'il prend les photos avec son bigot là, mais elles sont très mignonnes ces petites planches. Voilà, c'est les petits dessins de mon papa, je vous tiendrai au courant dès qu'il m'en envoie, je vous les mettrai en story. Voilà, il a toujours les bons mots, il a toujours une bienveillance extrême et un recul de ouf. Genre plus tard c'est mon goal d'être comme ça, genre vraiment il prend du recul sur toutes les situations, c'est incroyable. Je vous jure, j'aimerais trop être elle. Regardez comme elle est paisible, apaisée, tranquille. Vous croyez qu'elle en a quelque chose à faire du coronavirus? Ça sait même pas c'est quoi. Je veux être elle.